Salut à tous, épisode 27 avec Corandon Alpecin. C'est un des derniers avec ce sponsor, puisqu'ensuite on aura un changement de maillot. On passera chez Alpecin Phoenix. Vuelta a terminé. Ça, c'est un gros morceau. On va s'en occuper juste après. Ensuite, les petites classiques canadiennes pour se détendre, tout simplement, hein, parce que c'est toujours agréable à disputer. Et le championnat du monde, les championnats du monde, puisqu'on jouera aussi le contre-la-montre, même si vous verrez qu'il y a un petit truc bizarroïde de ce côté-là. Allez, les objectifs du sponsor sont clairs. Il nous reste encore ce top 5 à attraper sur la Vuelta et un top 3 en Lombardie. Ça, ce sera à l'épisode suivant. On va la terminer. On était resté sur une victoire de Hugh Carthy sur l'étape 15, en échappée, hein, bien sûr. Okay, l'échappée était allée au bout, mais surtout, ce qu'il fallait voir, c'est que j'avais été amené à sacrifier un petit peu tout le monde pour sauver la position de Omen au classement, qui se retrouvait alors 5e, avec encore quelques bons coureurs derrière lui, donc c'est loin d'être gagné. Et du côté du classement de la montagne et du classement par points, je commençais à comprendre que c'était plus ou moins fichu pour diverses raisons qu'on aura peut-être le temps de développer là ensuite pendant les courses. Voilà, maillot blanc, on n'en parle même pas, et le général par équipe, il a juste l'avantage de rapporter de l'argent, ce qui est déjà pas mal, me direz-vous, puisqu'on était quand même dans une situation précaire avant le Tour de France. C'est vrai que depuis qu'on l'a gagné, ça s'est quand même bien amélioré. Alors, l'étape 16, c'est un contre-la-montre individuel de plus de 40 km, et je ne l'ai jamais disputé, donc intéressant, toujours intéressant de découvrir un profil non proposé, hein, je ne l'ai jamais proposé dans mes parties, donc Vuelta 2017. Je fais des petits tests sur mes petits équipiers du type Van Moor, Sondervent, etc. Et j'arrive à la conclusion que c'est pas évident à négocier, parce qu'il est ouais, c'est pas tout à fait clair, savoir à quel endroit est-ce qu'on doit faire un forcing, est-ce que c'est sur la toute fin, profitant de ce que l'IA est peut-être mal préjugé de ses forces, et sinon, est-ce que c'est plutôt aux endroits où il y a du pourcentage, c'est-à-dire au niveau du premier tiers là de ce parcours. Du coup, je fais mes petits tests, voilà, et j'ai abouti à la conclusion suivante. On va ponctuellement monter la barre d'effort. Tony, il fait un super temps, hein. Tony Galopin, il est énorme. Il fait un super temps qui restera longtemps d'ailleurs en haut. Remco, pas encore assez fort en note de montagne pour pouvoir espérer gagner ce CLM. Le Remco Evenepoel IRL pourrait gagner ce CLM, tellement il est surpuissant en contre-la-montre. C'est une bête. Maintenant, là, dans la partie, j'attends encore une progression de Remco. Et dès lors qu'on aura cette progression, il pourra vraiment être leader sur un grand tour. L'entraînement, je vous l'ai déjà dit, on est en 2021. Hein, l'entraînement en 2021 aura un petit peu tardé à porter ses fruits, mais j'y crois. Et je crois surtout qu'on pourra envisager autre chose dès l'année qui suivra. Donc, bon, temps un petit peu frustrant sur ce CLM. Ce n'est pas le vrai Remco que nous avons là. Il faut dire que la forme du jour n'est pas non plus optimale. Omen, ça va être difficile pour lui. Ça va être difficile. Ce que je me suis dit, donc, c'est que j'ai pondéré les efforts. J'ai essayé de quand même monter la barre d'effort aux endroits avec du fort pourcentage. Surtout, par exemple, pour Omen, qui ne peut faire aucune différence, lui, sur le plat. Tout en essayant quand même de limiter un peu les dégâts. C'est-à-dire effort à 72-74 sur le plat pour les uns ou pour les autres. Et donc, vous voyez, je termine en essayant toujours de garder, voilà, consommer le dernier petit morceau de barre jaune, ou l'avant-dernier, on va dire, quand je suis très très proche de l'arrivée. Voilà, c'est toujours ça. Après, c'est pas évident. Primoz Roglic, ça ne surprendra personne. Par contre, David Godu, il va falloir m'expliquer quand même. Bref, Sam Omen rétrograde à la 7e place du général sur ce contre-la-montre. On savait qu'il n'était pas à l'avantage de Omen,
Et de toute façon, tous les contre-la-montre sont en défaveur de Omen, sauf à la limite des contre-la-montre, vous savez, type Giro, là, où on a une montée de 10 km simplement. Alors là encore, Omen peut s'en sortir, mais et encore, il faut une bonne forme du jour. Étape 17 dans la foulée, j'envoie du monde à l'avant. J'envoie Vanderpool ici, que vous voyez rejoindre Nils Sinchek. Et on a également Tony Galopin qui est présent. Voilà, tout le monde se rejoint ici. Voilà, donc Galopin était déjà parti. C'est une énorme échappée avec presque une trentaine de coureurs. Donc moi j'en envoie 3. L'objectif c'est de placer des pièces au cas où Omen se sentirait les jambes d'aller provoquer quelque chose dans les dernières difficultés, les deux dernières difficultés du jour. Placer des pièces à l'avant pour ensuite peut-être servir de relais à Omen ou bien les faire redescendre si jamais on voit que les protecteurs d'Omen ont craqué, ce qui peut aussi arriver. Et donc en fait je m'offre un éventail de possibilités en fait en faisant ça. Et puis on verra bien ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'à ce stade-là, je trouve que Tony Galopin a une jolie... Il a l'air d'avoir des jambes ce jour-là. Et ce serait peut-être fun d'essayer d'aller chercher l'étape. Voilà, en tout cas, c'est ma petite ambition. Donc je fais rouler Mathieu Van Der Poel, je fais rouler Sinchek, le pauvre. Il fait ce qu'il peut pour essayer de gratouiller des points, mais c'est tellement peu évident. Tellement peu évident. Il ne peut pas faire face à Dan Martin et Sivakov. C'est trop fort pour lui. Des fois, il y a aussi... comment s'appelle-t-il déjà celui qui est chez CCC. Zakarin aussi. Qui comme ça, va chercher les points. On ne peut pas s'opposer non plus. On ne peut pas. Bref. Toujours est-il que le peloton a réussi à récupérer une partie des échappés qui avaient lâché, et pendant ce temps-là, on a récupéré aussi ceux qui s'étaient un petit peu échappés, surtout Dan Martin et Sivakov, avec Van Der Poel qui a tout donné, et désormais, on est dans le final de l'étape, et c'est Tony Galopin qui va essayer de revenir. Vous voyez Romain Bardet qui s'est échappé là. Il va falloir essayer de revenir, ça n'est pas évident, c'est vraiment un final entre Français, puisqu'il y a Warren Barguil qui est présent, mais qui lâche, il est en train de lâcher. Ça peut peut-être se jouer entre Galopin et Bardet. Derrière, pendant ce temps-là, Omen fait tout ce qu'il peut pour exister face aux accélérations de Bernal Gaudu. Donc, là, à ce stade-là, j'ai un espoir. Je ne regrette pas de ne pas avoir fait descendre Tony Galopin. Et ça va se jouer à rien. À rien, ça va se jouer. Et c'est Galopin qui la prend. Franchement, c'est une victoire d'étape que Tony, sur son année, mérite amplement. Il faut rappeler qu'il avait été placé sur Paris-Nice. Il avait été un élément très important du Tour de France pour la victoire de Van Der Poel. Et je trouve ça très très moral qu'il soit payé de tous ses efforts par la victoire sur l'étape 17 de cette Vuelta. Donc, génial. Tony, à 33 ans, qui, je vous rappelle, il avait un peu régressé en plus cette année. Hein. Il était un peu en baisse de notes, il était passé notamment de 76 de notes générales à 75 parce qu'il avait perdu dans certains secteurs, notamment même en montagne. Donc c'est super pour Tony. On est dans l'étape 18 et je fais beaucoup rouler. Je fais rouler mes jeunes rouleurs précisément pour essayer de durcir la course parce que j'ai des petites idées derrière la tête. J'espérerais bien provoquer des cassures ou peut-être faire craquer certains membres du top 10. Hein, on les a affichés, les membres du top 10 ont leur nom qui ressort. Alors évidemment, pas Roglic. Hein, je me doute bien que Roglic, Gaudu, ils vont pas craquer Bernal non plus. Ils vont pas craquer comme ça. Hein, mais peut-être voilà pour essayer de récupérer la cinquième place, tôt ou tard, avec Omen, puisque je vous rappelle, je vise toujours le top 5 avec Sam Omen. On a bien compris que la victoire, c'était un petit peu impossible cette année, mais on ne désespère pas pour la suite. Allez, on a bien bossé, on a réduit le groupe Maillot Rouge, et c'est Mathieu Van Der Poel qui est chargé
de rouler à toute blinde. Il en est capable dans les descentes, notamment sur le replat également, pour reprendre cette échappée et essayer de faire encore une fois des dégâts. Alors on voit que ça roule, hein. On n'est pas les seuls à rouler sur le plat. Dans les pourcentages un petit peu forts, on était les seuls à rouler, hein, par contre. Mais là, sur le plat, on est sur faux plat montant, en fait, qui précède un petit mur. On n'est pas les seuls à rouler, mais on reste, tant que faire se peut, aux avant-postes. Allez, c'est parti pour une espèce de course de côte entre favoris. Carapace, Roglic, Bernal, Godu sont très bien placés. Bourman n'est pas mal non plus. Oman tente de déboîter. Et ça va être... Oh là là, ça va se jouer à rien du tout entre Oman et Roglic. Mais on voit bien que Roglic va emporter cette étape. Un petit peu comme pour appuyer une nouvelle fois et dire « Voilà, c'est moi le patron de cette Vuelta. » Et c'est personne d'autre. Donc, ouais, ok, pourquoi pas. Il faut admettre qu'on a du gros Primoz Roglic. Il faut quand même noter un truc. Primoz Roglic, c'est le seul survivant du Tour de France. En ce sens que il était cinquième, hein, du Tour de France qui avait précédé. Et il est en super bonne position là sur la Vuelta. Mais sinon, tous les autres, ils sont mais à l'ouest, mais total. Donc, franchement, quand on aura besoin de trancher pour les récompenses de fin d'année pour élire le cycliste de l'année, il faudra s'en souvenir que Roglic, il fait quand même une drôle d'année. Il a aussi chopé quelques petites victoires à droite, à gauche, en World Tour notamment. Donc, à voir, mais Roglic est un prétendant pour des récompenses finales. Vous avez vu, j'ai en cette étape 19 fait rouler dans un premier temps. J'ai aussi échappé des mecs et j'ai aussi tenté de me faire la belle avec Van Der Poel et Galopin. Et là, très mystérieusement, malgré toutes mes tentatives assez violentes, très mystérieusement, le peloton ne va jamais laisser partir Van Der Poel et Tony Galopin. Je suis assez déçu. J'avais vérifié mes options stratégiques. Il n'était pas leader, Van Der Poel. Il n'était pas électron, il était juste petit équipier. Je ne m'explique pas réellement pourquoi, avec son retard au classement, on ne l'a pas laissé partir. Si ce n'est une chose qui serait assez sensée de la part de l'IA, c'est non, on ne te laisse pas partir, Van Der Poel, parce que si tu pars, tu vas gagner l'étape, et nous, on veut l'étape. Donc, à la limite, ça, je peux bien l'entendre. Ça, je peux bien l'entendre. J'espère que c'est ça. Je change donc de stratégie, fatalement. Je change de stratégie et j'essaierai de piquer au bon moment. Du coup, je me dis, ok, puisque c'est ça, on me laisse pas partir. Je vais voir ce qui peut être fait dans la dernière difficulté du jour, puisqu'ensuite, il y aura une descente. Et est-ce qu'on pourrait pas piéger tout le monde pour peut-être faire bénéficier à Omen d'un petit gain de temps? Ce serait assez sympathique, on en aurait bien besoin en tout cas. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, allez, Galopin qui bosse. Ensuite, ce sera Van Der Poel, Remco Evenepoel, puis Sam Omen. Allez, il faut garder les roues là, pitié. Gardez les roues. Donc, vous voyez, j'appuie assez fort. Hein. Vous voyez l'effort qui est effectué par mes coureurs. Ce sera Remco qui portera la touche finale. Godu et Sénateur, Bourman, Bernal, Soler également. Allez, départ de Omen. Départ de Sam Omen. Il y a Ulissi qui a réussi quasiment à prendre sa roue. Ulissi qui était, vous voyez, c'était le champion, c'est le champion d'Italie, hein, qu'on apercevait. Il a réussi à partir avec. Hein. Balèze Diego Ulissi sur ce coup-là. Il a réussi à partir avec Sam Omen. Ce qui, moi, ne me dérange pas. Je vais décrocher Sinchek, bien évidemment. Parce que Sinchek, de toute façon, n'a aucune chance de victoire au sprint parmi les échappés qui sont ici présents. Derrière, après un petit temps habituel sur PCM de réaction, ça se met à rouler à toute blinde. Oui, mais on a un peu d'avance. Et tant pis, je sais que ça sert à rien de sprinter là. Je ne gagnerai pas l'étape. Mais par contre, j'ai beaucoup d'espoir quant au gain de temps. Et on a peut-être réussi à faire remonter Omen au classement via cette petite
ce petit départ discret. ce petit départ discret, oui, c'est très bien, on a gagné du temps. On nous a crédité d'une cinquantaine de secondes qui peut-être s'avéreront décisives à la fin, surtout que là, on aborde la dernière étape vraiment qui classe hein, de cette Vuelta. Celle qui classe, c'est l'étape 20 avec arrivée au sommet de l'Angliru. Je vous ai proposé l'autre jour avec Sunweb une magnifique victoire pour Jay Hindley au sommet de l'Angliru en échappée. Alors je me doute bien que les miracles, ça ne se reproduit pas tout le temps, mais j'en vois quand même des gens en échappée. Voilà, notamment Sinchek. Et il est évidemment accompagné par Tony Galopin, puisque j'ai remarqué que Galopin ont laissé sortir, le peloton laissé sortir. C'est bien d'accompagner Sinchek pour lui permettre notamment de tenir plus longtemps en le protégeant, par exemple. Et voilà. Et il y a aussi Galopin qui peut jouer son rôle pour essayer d'emmener Sinchek vers, allez, je vais pas dire prendre tous les points possibles au GPM, mais prendre une partie des points. Vous voyez ici, par exemple, sur la toute fin, on se fait croquer. Il prend les points de quatrième, Sinchek. Mais il n'empêche que comme Ciccone n'est pas dans l'échappée, à ce stade de l'étape 20, Sinchek est de nouveau maillot à points. Donc c'est peut-être pas perdu ce maillot finalement. Ce maillot que je considérais comme perdu ne l'est peut-être pas. On va voir la suite parce que c'est loin d'être fait. Il y a Dan Martin à l'avant, il y a Zakarin, il y a Sivakov qui ont tous des points qui leur permettent encore de viser le maillot à poids. En tout cas, surtout Dan Martin, donc il va falloir le surveiller. Et voilà, ben on est dans voilà, la descente vers le début de la montée de ce fameux col de l'Angliru. Donc, tout un programme, vous voyez tout ce rouge là qui annonce bien des difficultés, bien du pourcentage. Et ça y est, Gaudu avec dans sa roue plusieurs coureurs. Voilà, on aperçoit Burman, Roglic notamment. Sinchek arrive à protéger Sam Omen, puisque on est en train d'assister. Voilà, le galopin n'en peut plus, malheureusement. Omen va être ainsi le dernier survivant le dernier survivant de l'équipe. Mais qu'est-ce que c'est dur, il est tout seul à ce stade là il reste encore 5 km. C'est un cauchemar, surtout que les accélérations de Gaudu, Burman, Carapace, elles nous font mal, mais je vous dis pas, c'est imparable en fait, c'est imparable. On peut rien faire, j'ai l'impression de faire la course avec une Ferrari et moi j'ai une deux chevaux quoi, si vous voulez. Et là je me dis bon, alors tu peux essayer de ruser, essayer de le gratter la Ferrari au feu rouge, mais en fait non quoi, tu feras rien. Et là c'est pareil, je me sens totalement impuissant. Il n'y a pas de stratégie particulière d'économie de barre possible. L'effort curseur, ouais, ok, d'accord, mais regardez, il y a Burman qui s'envole avec David Gaudu. Tiens, d'ailleurs, c'est à noter qu'il y a peut-être un suspense là pour la victoire finale. Et Dan Martin, en plus, qui va sûrement nous piquer les points pour le maillot de la montagne. Bon, on a compris. On a compris pour Dan Martin. Ça devrait arriver à le faire. Oman, il s'accroche. Hein, il s'accroche. Il est avec, voilà, un groupe avec Burman, Kemna. Bon, il n'est pas très très loin du groupe Bernal, Carapace notamment, mais devant eux il y a quand même Burman et Gaudu quoi. Et ça, alors qu'on assiste donc à la victoire en solitaire de Dan Martin, magnifique victoire, et Burman, Gaudu vont se disputer la deuxième place. Et la grosse question, c'est quels vont être les écarts. Alors, roulement de tambour, on voit ici Omen qui arrive. Est-ce qu'il aura concédé suffisamment peu pour conserver sa cinquième place? C'est toute la question, parce que Carapace est très très menaçant. Il est arrivé avant, hein, donc est-ce que le temps qu'on a grappillé à étape 19 pourra s'avérer décisif? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Oui, oui, et pour quelques secondes, Omen conserve la cinquième place aux dépens de Carapace.
Et puis surtout, vous avez vu ce tremblement de terre, Gaudu a remporté la Vuelta. Waouh! Alors que je me prépare pour les championnats du monde. Ok, championnat du monde, on verra en fin d'épisode. Championnat du monde sur profil Ponferrada. Donc voilà, je confirme. En plus, avec Dumoulin et tout, je me vois beau, quoi. Je me dis, ah, sympa, on pourra même jouer un bon rôle au contre-la-montre individuel, c'est sympa. Bon, ok. Allez, on retourne sur la Volta pour la formalité, l'étape 21. Et oui, donc je disais, Gaudu est premier. Gaudu va remporter cette victoire, c'est énorme. David Gaudu qui gagne la Volta 2021. Puis alors, en plus, c'est pas volé, hein, parce que la Groupama FDJ a fait une course parfaite. Ils ont durci quand il le fallait, ils se sont montrés discrets quand il le fallait. Gaudu, il a une pêche, bonjour, avec son 85 en montagne et son 80 en accélération. Ça fait un cocktail détonnant, plus un petit 77 en récup. Ça, c'est histoire de ne pas être impacté des efforts d'un jour sur l'autre. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Alors nous, là, on prépare notre sprint, parce que quand même, hein, j'ai Van Der Poel dans l'équipe. Je ne vais pas laisser le sprint à d'autres. S'il y a moyen d'aller le gratter, on va voir Flamme Rouge. Attention, est-ce que Van Der Poel va avoir la vitesse nécessaire? Bah, attention, Michael Matthews. Et Van Der Poel va évidemment aller coiffer Michael Matthews. Je dis évidemment, parce que plus rien ne nous surprend à ce stade-là. 33e victoire sur l'année 2021 pour Mathieu Van Der Poel. 33, pour être précis, dont 32 en World Tour. Voilà. Et parce qu'il y avait une course simulée une fois en préparation de saison. C'est pas moi. Donc, 32 en World Tour. Sam Omen qui termine 5e à 4,32. On voit bien que pour David Gaudu et Primoz Roglic, ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Dan Martin mérite totalement son maillot à poids. Il le mérite totalement au panache, notamment pour cette étape 20. David Gaudu, d'un souffle, remporte le maillot du classement par points, ainsi que le maillot du meilleur jeune, le classement du meilleur jeune, pardon. Et vous avez vu, on a gagné le général par équipe. Ça nous aura gagné environ 240 000 euros, ce qui est pas mal. Et le bilan de cette Vuelta est quand même pas si mauvais. On a, somme toute, on a 8 victoires d'étape et un top 5, plus port du maillot pendant 9 jours pour Remco. Allez, ça va. Elle est pas dégueulasse, cette Vuelta. Mais évidemment, on peut avoir un petit peu de tristesse de ne pas avoir réussi à faire mieux que 5e. Mais en même temps, je trouve que c'était pas trop possible, en fait. Il faut savoir être patient. C'est dur, hein, d'être patient. On a envie de tout avoir tout de suite. Et on peut pas tout avoir tout de suite quand on joue la carte des jeunes et du développement. C'est impossible. Alors justement, là, j'ai aussi envoyé une équipe qui est fatalement pas hyper forte. Elle est forcément pas hyper forte. Puisque tous mes meilleurs coureurs, ils sont sur la Vuelta. Donc, pour la classique de Québec, c'est Dylan Van Baarle. Moi, j'ai envie de privilégier Van Baarle sur ses classiques canadiennes, parce que j'estime qu'il a un potentiel quand même à résister aux efforts. Il a cette note en résistance, cette note en endurance, qui sont quand même combinées à sa note en vallon, qui est pas dégueu, qui sont quand même de bons atouts pour aller au moins terminer placé de ces courses-là. On voit Julien à la Philippe, qui tente un départ un petit peu suicidaire, disons-le, comme malheureusement il en a l'habitude sur Pro Cycling Manager. Après, les plus attentifs au cyclisme parmi vous se souviendront qu'il avait aussi tenté de partir comme ça, mais il s'était fait reprendre la dernière fois à Québec. Bon, allez, 5 km de l'arrivée. On a repris les échappés dont Bauk Mollema notamment faisait partie. Et on va aborder, voilà, la toute fin. C'est une difficulté. On passe ici sous une espèce d'arc. Et qui va surgir en tête à la sortie du virage, c'est Bauk Mollema qui s'impose très nettement devant Charman et Julien Alaphilippe. Et ma satisfaction, c'est qu'on prend quand même la 5e. Et honnêtement,
prendre la cinquième place quand on voit le pédigré des premiers, c'est pas du tout honteux. Oui, il y a ce Hamidovic, excusez-moi, qui s'est un petit peu incrusté top 3. C'est un Regen, lui je le vois depuis que j'ai la partie qui existe. Je le vois, j'ai pas voulu le prendre parce qu'il est sert de. Je trouvais pas que ça collait dans notre projet. Mais il est balèze Hamidovic et il commence à faire mal. Hein. C'est un très bon puncher dans la partie, donc il a été engendré par le jeu assez rapidement. Je crois même qu'il existait déjà au départ, sauf qu'il avait évidemment pas d'équipe. Alors, Vanderpool, frère qui protège Sénéchal, Van Baal avec Nivenhuis dans la roue. On est sur Montréal, donc deux jours plus tard. Montréal, un endroit où l'on aime performer. Vous avez vu, j'ai changé les profils. Hein. Je vous l'ai écrit, hein, donc vous l'avez sûrement remarqué. Sur les profils de Léon 40. Ce sont des profils qu'on peut trouver dans la WorldDB. Vous pouvez aller les copier-coller, les renommer pour les mettre aux bons endroits, tel qu'on modifie les variants, bien évidemment. Si vous voulez les inclure dans vos parties, si vous n'êtes pas sur WorldDB, en tout cas, il n'y a aucune chance que le jeu vous les propose par défaut. Il faut les installer soi-même. Et donc, intéressant. Moi, j'aime bien ces profils. En fait, je les trouve plus difficiles pour gagner, enfin, surtout avec mon équipe, hein. Plus délicat que ne l'auraient été les profils classiques. C'est pour ça que je suis content de les disputer. Vous avez vu le résultat top 5 seulement pour Van Baal à Québec. Puis là, allez, on va se battre. Il y a pas mal de Flandriens autour de nous. Il y a notamment Greg Van Avermaet, il y a Oliver Nassen, il y a Adam Yates. On notera que Julien Alaphilippe a été distancé sur cette toute fin de Montréal parce qu'il a attaqué trop tôt. Tiens, c'est étrange. Il a attaqué ton autre Tige Benoît. Et là, c'est le Bahrain Mérida qu'on aperçoit. Il a signé chez Jumbo Visma pour la saison qui suit. Tige Benoît sera chez Jumbo Visma avec Wout Van Aert, peut-être. Ça peut faire une jolie association. Allez, attention, on est dans les derniers lacets. Ouais, c'est pas l'Alpe d'Huez. Hein. On est dans les derniers tournants, on va dire. Avant le sprint final. Qui arrivera dans très très peu de temps. Vous apercevez Nassen, je choisis une roue. Nassen va vite, hein. C'est pour ça que je prends sa roue, parce que j'ai vu Van Avermaet faire beaucoup d'efforts, du coup je me dis plutôt Nassen que Van Avermaet, et en fait, non, c'est Greg, c'est GVA qui va s'imposer avec, pour le coup, le top 4. On se croirait sur le GPE3 ou... ou que sais-je, parce que là c'est du pur Flandrien, donc sympathique l'histoire, et on passe évidemment quelques jours plus tard avec un peu de simulation au championnat du monde, et notamment championnat du monde là de CLM. Alors ce qui est horrible, c'est que Dumoulin, je l'avais inscrit, j'ai dû vite repêcher Van Der Poel, j'ai édité, là pour le coup c'est un cas de force majeure, j'ai édité pour aller chercher Mathieu, parce que Dumoulin, je découvre ma feuille là de préparation à cette course, et je vois 38% de forme. Non mais n'importe quoi. Dumoulin donc en fait est touché, il n'est pas préparé et ça va pas. Alors, il faudrait qu'on puisse influer sur ça. Dans le sens où, si vous êtes sélectionneur d'une équipe nationale, il y a un dialogue quand même qui s'instaure avec le coureur et avec l'équipe pour que s'il fait d'une course de fin d'année comme celle-là son objectif, il se donne les moyens d'être prêt. Et on n'en arrive pas à des aberrations comme aussi regarder Wout Poels qui est complètement cramé sur la course en ligne. C'est dommage parce que là pour le coup il y a un manque de réalisme. Les mecs quand ils se préparent pour le championnat du monde, ok certains sont cramés, d'accord, c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup, ils se préparent pour le championnat du monde sérieusement. Et ils arrivent, ils sont prêts. Et je trouve que ça c'est quand même un truc qui fait défaut hein, dans le jeu. Donc voilà un axe d'amélioration possible. J'espère que mes paroles, ou alors relayées par quelqu'un d'autre, peu importe, tomberont dans l'oreille de quelqu'un qui sait faire quelque chose pour améliorer ça. Allez, vous voyez, on est sur le circuit de Ponferrada. On a Terpstra et Wout Poels qui sont un petit peu en difficulté. On les récupérera un tout petit peu après. Mais on est à 3 tours de l'arrivée. Van Baal, Koen Bouwman et le Regen de Mirel sont les fers de lance, en tout
cas, Van Baal, c'est terminé, mais il reste encore les deux autres, pour emmener de la meilleure manière qu'il soit Mathieu Van Der Poel. On aperçoit Peter Sagan qui est présent, on aperçoit les Italiens, je crois que Viviani est encore à l'avant, c'est impressionnant. Il y a, par exemple, le sprinter Sam Bennett pour l'Irlande, qui n'est pas mal non plus. Vous apercevez des Belges ici, Tim Wellens notamment, qui sont encore une fois bien 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 en verve, alors qu'on n'est pas très loin de l'arrivée. Allez, un tour encore. Alors là, je durcis, hein, bien évidemment. Hein. J'utilise De Mirel et Koen Bouwman. Koen Bouwman, il va nous rejoindre. Hein. C'est un futur Alpecin Phoenix, lui. Hein. Il va venir comme ça gonfler un peu le contingent hollandais. Allez, il faut faire face aux offensives des autres nations qui se bougent. Il y a Kwiatkowski aussi qui est présent, la personne avec son maillot de la Pologne. Il y a comme ça pas mal de coureurs. Il y a Magnus Kort Nielsen que vous apercevez avec un maillot cyanide du Danemark, notamment. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Michael Matthews doit pas être bien loin. Allez, c'est bizarre, hein, tous ces noms-là. C'est quand même des noms qu'on n'attendait pas à Ponferrada. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose que ce que j'avais remarqué à Valkenburg, les mondiaux de l'année précédente. J'avais remarqué aussi qu'il y avait une représentation un petit peu trop forte des sprinteurs dans le final. Et là, c'est la même chose. C'est la même chose. Les sprinteurs sont beaucoup trop présents à mon sens. Alors, Sagan, Kwiatkowski, oui, pourquoi pas. Mais les autres, c'est un peu délicat quand même. Hein. Donc, bon, allez, peu importe. De toute façon, Van Der Poel, c'est le meilleur sur quasiment tous les terrains. Donc, à partir de là, j'ai pas vraiment peur, pour être franc. J'ai pas vraiment peur de même d'avoir des sprinteurs autour de Mathieu. Allez, on va y aller à fond, à fond, à fond. Je sprinte déjà, on est en descente, Mathieu Van Der Poel, le meilleur sprinter en descente dans la partie avec Alaphilippe. Donc on va aller régler tout ça, voilà, personne ne peut passer MVDP qui s'octroie un troisième titre de champion du monde d'affilée. Il fait comme Peter Sagan, donc l'année suivante on jouera pour la passe de 4 qui n'a jamais été faite par contre. Jamais personne n'a été 4 fois champion du monde d'affilée ou pas. Donc on verra bien. On jouera aussi le Tour de Lombardie qui sera sur un profil 2016. Hein, donc victoire à l'époque de Esteban Chaves. Donc voilà, on jouera le Tour de Lombardie. Il va être assez sympa. Et on démarrera à 100 2022. Mais j'ai besoin d'avoir vos avis. Donc je serai assez reconnaissant à tous ceux qui voudront bien m'exprimer des avis. Regardez. Je vais envoyer Remco sur le Giro et j'ai envie de le gagner. Je vous ai mis ses notes à côté, je suis sûr. Il a progressé en fait. Hein. Il a eu un petit, il a une progression après la Vuelta. Je suis sûr qu'avec ça, je peux arriver à gagner probablement. Van Der Poel, je vise un Tour de France et les classiques. Je voudrais un deuxième tour en vérité. Voilà. Et Vuelta, j'ai pas encore pris ma décision. Pour les autres, on essaiera de leur donner des jolies choses à prendre. Badoise, Galopin, Van Baal, Sénéchal, Nibelheus. Il faudra que chacun ait quelque chose à prendre, en fait. Et là, je vous ai affiché tous les grands tours qui ont déjà été joués ou que j'ai déjà décidé de jouer. Par exemple, dans le cas de Sunweb ou Astana, on n'a pas tout fini. Mais voilà ce que j'ai déjà prévu. Ça veut dire que si vous avez des idées, dites-moi ce que vous voulez pour Alpecin Phoenix sur la saison 2022. Je vous en serai super reconnaissant. Exprimez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi, je vous fais un petit coucou depuis la montagne, en fait. Je suis très très loin de mon ordinateur. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.